Bonjour tout le monde, ici Malogue Daniel, bienvenue au 9e épisode, je pense que c'est ça, oui, 9e épisode de Conan. J'ai voulu dire Connard encore. Connard, on est en train de s'amuser dans le nord du Québec, on est en train d'essayer de figurer toutes sortes de différents mystères. Et puis là, d'après ce que tout le monde a dit, il y a un char là aussi en avant, mais juste voir ici c'était quoi la pancarte. Si j'ai bien compris, c'est ici que je vais avoir besoin de motoneige. Ouais, c'est du motoneige pour en avant. Donc peut-être qu'il y a des pistes de skidoo. Mais ouais, donc tout le monde sont allés vers le nord de la ville. Glissement de terrain. Ah, tu me niaises? Donc j'ai pas le choix. Il va falloir que je prenne des skidoo si je veux aller dans le nord de la ville. Oh mon dieu, puis il y a du monde ici qui essaie de s'enfuir. Oh boy. À la place de la route du vide, Carl détestait les cul-de-sac. Il se sentait coincé. On aurait dit que la route avait été avalée par le lac. Il fallait trouver des secours par un autre chemin. Ok, ça fait chier. Puis, oui. Ben oui, hein. La piste était fraîche. Ça faisait peu de temps que la voiture s'était enlisée. Où diable pouvaient être passés les propriétaires? Par là-bas? Un petit peu, il y a une flèche ici aussi, là. Carl concevait de plus en plus que ce ne pouvait être une chasse normale. Le gibier qu'on traquait à l'arbalète était féroce, car jamais le tireur ne semblait s'en approcher. Qu'était-ce donc? Hé, c'est l'autre botte! Donc, c'est la deuxième botte, on sait c'est quelle famille. Y'a-tu quelqu'un ici? Non. Y'a-tu quelque chose là-dedans? Je sais pas. Non, ça n'a pas l'air à ça. Oh, merde, non! Non, ben donc, ce char-là, il est pris là, hein? Ça, c'est plate un petit peu. Ça veut dire vraiment que j'ai besoin de prendre mon skidoo pour aller par là-bas, puis il y a un assifi d'affaires bleu, là, aussi. C'est quoi ça? Manuel du garde forestier. Ça dit dessus Wilfred Roy. Donc, c'est les Wilfred de Roy. Lire? Ouais, ok, je sais, mais je peux pas l'ouvrir, non? Ok, là-bas. On aurait échappé ça dans la fuite. C'est vers là qu'on courait, dans les bois. Carl se sentait comme un chasseur sur les traces d'une proie. Donc, il y a eu une famille qui sont partis par là-bas. Ça, c'est une crotte. Je dégage qu'il va y avoir... Ben oui, ok, donc, nouvelle théorie. Pas trop difficile, mais bon, à chaque fois qu'il y a une flèche en feu, c'est quelqu'un qui est adressé de tuer la créature. Et puis, ben là, la créature, ça... Je sais pas si c'est la créature qui a créé le glissement de terrain. Mais bien évidemment, eux, ils se sont fait suivre par la créature ou le glissement de terrain. Là, faut que j'aille chercher la stifie de skidoo qui était l'autre bout du monde. Eh boy, ça va pas bien mon affaire. Ok, M. Le skidoo est complètement en bas à gauche. Moi, je suis là, la route est pétée. Donc, il va falloir que je prenne les chantiers. Ok. Mets ça de côté. De reculons! On va faire un petit U-turn. Bon, ben ça commence bien l'épisode! Je pensais vraiment pas que c'était pour être de même. Je pensais vraiment pas qu'on était pour avoir des problèmes. Moi, je pensais qu'on était juste pour faire de la route jusqu'au nord, puis il y aurait pas de problème, ça serait beau, puis tout le monde serait content. Puis ce serait une grosse réunion, c'était comme bonjour tout le monde, puis tout le monde serait comme ah, c'est le détective! On jouait une grosse farce. Vraiment, il y a pas personne qui est mort, tout va bien, on fait juste semblant depuis le début. On t'agace, puis malheureusement, il y a une grosse tempête de neige qui est arrivée en même temps. Oh boy! Ok, la côte ici. Attention! Oh boy! Ok. Donc ouais, on t'a eu avec la grosse tempête de neige, haha! mais on n'a pas fait pas exprès pour avoir la grosse tempête de neige. On voulait juste t'agacer avec un meurtre mystère. Puis pour quelque raison, comme mon meilleur ami de Montréal, il est ici aussi, puis c'est lui qui a embauché toute la ville. ce serait intéressant comme histoire, mais bon, je pense pas que c'est ça. Non, pas du tout. Mais là, si je prends mon skidoo, je n'ai de la route à faire là, avec mon skidoo pour retourner jusqu'à là-bas. Là. Ce serait bien le fun si je pourrais apporter les deux. Je vais peut-être me retrouver à faire ça juste pour avoir mon camion proche. Disons, je vais parker mon camion direct ici. Je vais y aller à pied. Je vais ramasser mon skidoo, je vais l'apporter au magasin général, puis pour ça, je vais revenir chercher mon camion. Donc, on va faire ça en accéléré, comme ça vous n'avez pas besoin d'écouter tout complet. Voici moi qui cours dans le froid nordique jusqu'à un skidoo rapidement. Go!
Ah, donc voilà, j'ai décidé de me réchauffer un petit peu juste avant. Karl reconnaissait la carte. Non, arrêtez de parler. Mais que désignaient les punaises? Correspondait-elle à quelque endroit sur sa propre carte? En fait, tant qu'à être ici, pourquoi pas juste aller visiter l'autre caverne là, qui était trop froide? Maintenant que j'ai mon manteau, je vais ramasser... Est-ce que je suis tout chaud? Ouais, je suis tout chaud. Ok, donc ouais, on est ici. Il y a une dernière chose, je pense, dans cette moitié de ville que j'ai pas fait encore. Ça, c'est visiter... C'était cette fille de comment on appelle ça, là? De caverne-là, donc on va le faire. De toute façon, il faut rapporter. Le but, vraiment, comme je disais tantôt, c'était que je voulais garder mes véhicules accessibles. Je voulais pas que, genre, mon camion soit pris. Hein! Ici. Si mon camion, je peux le laisser quelque part, je vais le laisser au magasin général. Où ce qu'il va avoir du gaz, puis tout. Et puis, j'aimerais bien ça faire la même chose avec le skidoo. Mais là, si je peux prendre le skidoo, ben... Oh, shit, la merde! Oh, OK, faut faire attention, skidoo un petit peu partout. Oh, boy! Ah, boy! Ça m'a surpris vraiment à marcher jusqu'ici, là. Ça a pris quand même un bon... je sais pas, là, un bon 5-10 minutes. C'est quand même une assez grande carte. Ça paraît pas quand t'es en train de conduire alentour, en char, puis tout. Mais c'est... À un moment donné, je pensais que j'avais... continue trop loin ou j'avais pris un mauvais chemin. Donc vraiment, s'il n'y en avait pas de véhicule dans ce jeu-ci, on pourrait se perdre bien facilement. C'est intimidant. C'est vraiment intimidant. Go, 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 go! Alright, c'est direct ici. La caverne. Attention! Donc je sais pas trop c'est quoi qu'on va rencontrer ici. Mais c'est une des dernières choses qu'on a explorées dans le sud, parce qu'on a fait toutes les autres maisons, etc. Donc, ouais. Puis, ce que je voulais faire ici, c'est je voulais utiliser ma lanterne. J'ai l'impression que ça va faire plus atmosphérique. C'est un loup, ça? Le manteau, par bonheur, protégerait Karl des dents glaciales. Oh, il y a une crotte d'un bord puis de l'autre. Hello? Je vais pas rencontrer une bébite. Faut que je prenne une photo? Oh, il y a des traces! J'aime pas ça! Ok. Peux-tu juste reprendre ça, s'il vous plaît? Je pourrais essayer la flashlight, mais je sais pas pourquoi, mais j'aime mieux... j'aime mieux le look de ça de même. Oh, fais-moi pas faire un choix, hein! Ah, c'est chien, ça! Ok. Je sais pas si je vais aller d'un bord ou de l'autre. On va aller à droite. On va toujours regarder la droite. Je me demande si la roche, tu sais, je disais, c'était des... comment on appelle ça, là? C'était des crottes? Peut-être c'est pas des crottes. Peut-être que c'est des minerais. Oh merde, ça continue par là-bas. Est-ce que ça, tu vas me faire prendre une photo encore? Pourquoi il faut toujours que je prenne des photos? Hein, c'est quoi la joke? Pour prendre des photos. Les photos, ça me montre que je suis en train de suivre un monstre. Je veux pas suivre le monstre. Sortir de la lanterne. Check ça. C'est super beau. Il y a quelque chose là-bas. On peut se faire tirer un feu. Hello? T'as-tu peur du feu? J'espère que t'as peur du feu. Est-ce que vous avez vu les yeux? Je pense que c'était un loup. Là, j'ai en train de me demander si je veux continuer vers le loup ou si je veux aller par là-bas. Merde, pourquoi je suis venu ici? C'était l'idée à qui de venir ici? À cette niaiserie niaiseuse, c'est devenu un jeu épeurant, là. J'ai des steaks. Dans le pire des cas, j'ai des steaks. Faut juste que je me rappelle de ça. Ok. Sauvegarde, oui, c'est une bonne idée de sauvegarder ici. Je vais pas aller vers les yeux. On va aller par ici. Je vois rien, là. Autant que c'est le fun, l'ambiance, pis tout, là. Ok. C'est de l'eau. Un marteau. Ok. C'est beau, j'ai compris. Il fait noir. Donc, ça, c'était juste un... Donc, faut que j'aille vers des yeux, c'est ça, là? On s'est réchauffé un petit peu. Augmenter notre cerveau. Oh, boy! Ça ne tente pas.
On se connaît dans la carte. On est en dessous. Ok. Lanterne? Lanterne, c'est une flamme, donc ça fait peur aux chiens. C'est ce que je me dis. Avançons. Est-ce qu'il a disparu ou... Construire le pont. Je me trouve franchement pas pire pour être capable de construire un pont de main. C'est-tu un esprit que je suis en train de suivre, ça, là? Je pense que c'était l'esprit. Parce qu'il il a juste comme disparu, hein? Ou est-ce que j'étais supposé le voir de loin, puis... Il y a de la brume ici, pour quelque raison. Hello? Asti, l'atmosphère dans ce jeu ici. C'est stressant. Oh, but! Hello? Encore une fois, la glace magique avait frappé. Que faisait-il, celui-là, ainsi terrorisé sur le sol? Le mystère s'épaississait comme la glace. Je sais pas, mais je pense pas que ça va être bon. Examinons! Ah! Le froid envahit Karl. C'était comme s'il s'évanouissait. Il tomba dans une sorte de rêve. Ok. Pour quelle raison je peux qu'elle avance, mais t'as... Donc ça, c'est lui en train de reculer, c'est ça, là? Il fuyait alors avec grand-peur une chose qui s'approchait, contre laquelle il ne pouvait rien, pour finir ainsi terrorisé et gelé. Ouais, une créature. Oh, il fait noir, c'est le fun. Je suis tout silencieux parce que j'ai peur. Je suis tout silencieux parce que je suis stressé. J'ai peur de ce qu'on va voir, ce qu'on va rencontrer. Oh! Je l'avais pas vu, ce chemin-ci, de tantôt. Oh! Fusil. Oh, shit! C'était quoi? C'était-tu de l'eau ou la personne a été craché dessus? Donc, le monstre, si tu le tires... Oh! Ok. Donc, on est... Ils se sont bâtis une genre de petite cabane souterraine. Qu'est-ce que tu fais là? C'est un pont. Journal de Régent. C'est qui, Régent? On dirait bien que Régent était prêt à prendre les armes et à pourfendre des gens comme Hamilton. Avait-il même commis un meurtre pour le compte de sa révolution? Qui donc avait été tué devant ses yeux? Je sais pas. Il y a combien de pages à ça, là? Il y en a beaucoup. Merde, mais j'ai l'impression que c'est important. Si. Le vieux Rosaire m'avait dit qu'on se faisait charrier par l'administration de la mine. Que les mines d'avant la guerre n'étaient ni effondrées ni inaccessibles. Eh bien, comme d'habitude, le vieux Rosaire avait raison, les Anglais nous mentent tous les hosties de jour que le bon Dieu amène. Parce que... Ok, donc les Anglais, ils nous mentent. La région a de la ressource. Nous disent les Anglais, la ressource qu'ils oublient, ce sont nos vieux. Sa famille. Il y a quelque chose envoyé jusqu'à rivière des Outaouais. Ok, donc il est fâché parce qu'il sent comme si on était en train de se mentir. C'est mieux que je pensais. Les armes, ce ne sont pas des vieilles patentes de la Grande Guerre. Il y a de la carabine moderne, semi-automatique et aussi de la belle dynamite. Oh boy, ça doit être le Patriote. C'est ça que c'est le Patriote. Il est en train de se patenter une affaire ici, mais il est en train de se bâtir des armes et tout. Wow, ok. J'ai bon espoir qu'il nous appuie. De qui ça? Les sauvages vont prendre... Ok, t'as un peu là. Je me demande pour qui les sauvages vont prendre. Donc dans le temps... C'est important de comprendre que les sauvages, c'était les Amérindiens. Malheureusement, c'est ce que les gens les appelaient dans le passé. Maintenant, on dit plus ça. On dit autochtones. Mais dans le temps, c'était sauvage puis sauvageresse.
Donc, ouais, de quel bord ils vont prendre? Est-ce qu'ils vont prendre le côté des Anglais ou le côté des Français? J'ai bon espoir qu'ils nous appuient. Pousser du monde hors de leur terre, c'est une question de principe pour eux, vous autres. OK. Thorieux... Quoi? Thorieux! Thorieux, c'est écrit comme la façon que je parle. Thorieux que Gilles n'a pas de couilles. Je savais avant lui parler de mon projet, mais là, c'est insultant d'être émasculé de même. OK. Donc, il essaye de partager son idée avec les gens, puis les gens veulent pas. J'aurais plus de chance en allant voir sa femme, la belle Gisèle. Elle a du bon sens, cette femme-là. Elle saurait tenir une carabine. Donc, il est en train de chercher du monde pour sa révolution. La motte aussi m'a lâché. Gros frileux. Donc, tout le monde est en train de dire non, on ne fait pas la révolution. Carl se demandait s'il devait endurer encore longtemps le froid qui lui piquait la peau. Chut, je suis en train de lire! Ah, attends un petit peu. OK. Ah merde, il me manque des bûches. Ok, il y a des bûches. On va sur une bûche. Je suis en train de lire les dernières pensées du... Ah, la dynamite! Ok. Wow. Je suis en train de lire les dernières pensées du Patriote. Journal. Non, c'est pas le journal que je veux. C'est mes documents. Documents. Wow, il y en a des affaires. Ok. Patriote, son nom, c'est Régent. Donc, ça, j'ai vu... Ok. Ça, c'est essayer de ramasser la femme agile. La motte l'a laissé. Pierre, toi, tu t'aurais été de mon côté, mais là, Pierre est mort maintenant. Donc, c'est ça qu'il dit, là. Va falloir que je livre la région de Bledada tout seul. Tout le monde a décidé de ne pas s'aligner avec lui, donc il a décidé de faire ça tout seul. Alexandre Blaine n'a pas aimé que je la porte en venant des mérites de son frère. Ok. Le 2 octobre. C'est drôle, hein? L'écriture change, on dirait. C'est écrit d'une différente façon. C'est tout écrit avec des majuscules. Tandis qu'en haut là, c'est écrit avec des minuscules. La date est différente, tout ça est au centre. Les chiffres sont pareils par contre. C'est horrible ce qui est arrivé hier soir. Je n'avais jamais vu quelqu'un mourir comme ça. Tout près de moi. J'en ai mal au... Je ne sais... Cœur? Je sais pas. J'ai mal au cul. Tout se sent. Je me demande si la révolution s'est faite pour moi finalement. Donc il a vu quelqu'un mourir, je peux pas changer la page, c'est la dernière page. Je sais pas si qui a vu mourir. On va ramasser le plus de choses qu'on peut ici, comme des balles à fusil. Yes! Yes! J'ai un gros fusil. Mais là, maintenant, je sais que si j'essaie de tirer le gars, la grosse bébite, elle va me tuer. Donc, c'est pas bon. Quoi? Pourquoi dormir chez soi quand on peut dormir dans une caverne? Une très bonne question. Par là-bas aussi, on peut aller quelque part. Mais avant, hein? On va juste explorer ici. Des pinces. Dynamite. 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 Bûche. Tape. Donc c'est quoi la créature que j'ai vue dans la caverne d'abord avec les yeux pis tout? C'est-tu une bébite? C'est-tu un monstre? C'est-tu un... Oh, je check tout le cuivre pis toutes les bouteilles. C'est tout du lait ça? Non. Il doit avoir mis autre chose que du lait. Ok. Ok, ok, ok. Ouais. On va ça. Ouais, donc c'était un esprit de quelque sorte qui s'est montré à moi, qui soit était en train de m'observer ou qui m'a attiré ici. C'est ce que j'imagine en ce moment. Je sais pas trop. Puis ici, il y avait... Ok, tu peux descendre en bas là? Ok. Ça va où ça? Ah, oh, ça va à la... Ce qu'on était tantôt. Ah! Ok. Ah, c'était tout caché en haut là ça. Ah. Intéressant. On va... Carl se sentit tout à coup épié. Une présence autour de lui commençait à l'inquiéter. Ah. Ok. On va sortir d'ici d'abord. Je m'en allais faire sauter le... Comment on appelle ça, là? Je m'en allais faire sauter les roches. Mais s'il y a une présence autour de moi, hein, on va laisser faire ça, puis on va les faire sauter les roches de l'extérieur. Au lieu de les faire sauter de l'intérieur. Fuck it. Déjà, je me retrouve pas mal chanceux d'avoir survécu jusqu'ici. La glace semblait pousser en ces lieux comme une pourriture. Ce mur n'était pas là tout à l'heure. Comment allait-il donc sortir? Ah, merde. Ok, donc j'ai pas le choix. Faut que j'aille mettre la dynamite. Je vais sortir d'ici. Non! C'est quoi cette merde-là? Ok, on va se réchauffer. Heureusement, je sens pas vraiment perdre beaucoup de chaleur, ce qui est bien. Mais, ouais, mon cerveau, il est pas content.
On va remonter en haut ici. Mon cerveau, il est pas bien ici. Je pensais peut-être que mon cerveau serait bien ici. C'est... Je l'ai déjà dit, puis je sais que je me répète, mais je trouve vraiment, vraiment bien. Il y a un mur là maintenant. Ok, je peux passer par là, mais tantôt! What the fuck? Je trouve vraiment bien l'aspect survie mélangé avec l'histoire. Je trouve qu'ils font une vraiment bonne job de tout mélanger ça ensemble, franchement. Là. Mais là, à un moment donné, là. Go, go, go! Avance, avance, avance! On va faire sauter quelque chose parce que là... Ah! Ok. Qu'est-ce que je fais? Steak? Lance le steak! Va chercher le steak! Go! 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 Ow! Ok, t'as un petit peu, là. Je suis en train de perdre ma santé pis tout. Il veut pas le steak, mais pas du tout. Document? Non. Inventaire? Oui. Non. Ok, j'ai besoin de consommable. Trousse de premier soin. Ok. Et puis, j'ai besoin de mon fusil. Lui, j'ai pas de balles pour. Oh, j'ai 15 balles pour? Lui, j'ai 3 balles pour. Revolver ou carabine? C'est quoi qui tue un chien? Toi. Oh shit. T'es où? C'était pas un vrai! C'était pas un vrai! Cours! Cours! Cours, c'était un faux! Cours! Toi, t'es encore là, toi, hein? Ok. Dynamité. Go, 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 go. Est-ce que ça va sauter? Téléphone! Sort, sit, 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 sort. Saut, sort. Avance, sort. Aucune pierre ne résiste au souffle de la dynamite. Oh, je suis content d'être sorti de là. Mais il fait noir. C'est la nuit, là. Je suis où, moi, là? Sacrifice. Je suis là. Pas trop si où est-ce que je peux aller là. À moins que je suis juste par-dessus. Mon skido est-il juste en bas là? Je sais pas. Il y a un loup, un faux loup qui m'a attaqué. Un loup que j'ai tiré puis il est devenu des nuages. Mais il m'a quand même fait mal. Il m'a fait mal au point où il fallait absolument que je... il a fallu que je... me guérisse. J'ai aucune idée de ce que je suis, là. Oh, maudite merde. Maudite merde.